Et bonjour à tous et bienvenue, je suis MDG Normandie et à l'épisode précédent j'ai dit une bêtise, on n'est pas à l'épisode 190, on est actuellement à l'épisode 189. Donc l'épisode 190 sera le suivant. Voilà, mais je mettrai quand même à jour la playlist là à la sortie de cet épisode. Donc, hop, on est parti, on continue. Donc pour vous la coupure a duré une semaine, pour moi je suis toujours sur la même session de tournage. Il y a un siècle et quelques dizaines d'années, Kisuke et moi étions dans notre salle d'entraînement souterraine pour tester le corps céleste de transfert qui venait d'être mis au point. Elle est soudain apparue devant nous. Mon petit Kisuke, je voulais tant te rencontrer, tu te sentais seul? Dis-moi, tu te sentais seul? Ou alors tu préfères me négliger pour passer le doux instant avec Hiroichi. Mon nom est Urozakuro. C'est notre première rencontre, mais moi je vous connais sur le bout des doigts. Vous savez, en ce moment j'habite l'endroit sans espace. Je suis le Zanpakuto de Kenpachi Yasashiro, ravi de vous rencontrer. Bon, nouvelle cinématique. Cela n'a pas duré une heure, mais elle s'est montrée très familière. On ne lui avait rien demandé et elle s'est mise à nous expliquer ses pouvoirs par le menu. C'était ahurissant. Je révèle mes pouvoirs de façon gratuite, et si celui qui me manie se retrouve en situation de crise, j'en tirerai bien du plaisir, plaisantait-elle. Mais je pense que c'était sincèrement son intention. Du point de vue d'Azashiro, elle doit être insupportable. Je confirme. Je ne me souviens pas avoir reçu de rapport à ce sujet. J'en ai pourtant parlé à l'ancien chef des commandos secrets, mais lorsque l'information est remontée au central 46, on m'a intimé l'ordre de n'en parler à personne. Disons que je me soumettrai plus tard à une éventuelle punition pour avoir révélé tout cela aujourd'hui, malgré les ordres du central 46. Je suppose que les instances supérieures avaient des raisons cachées. Mais les membres du Central 46 de l'époque sont tous morts de maladie dans des incidents ou tués par Aizen. Bref, le mystère reste entier. Ils ont dû penser que si ce pouvoir était connu du public, le moral des troupes en prendrait un coup, ou même que la panique s'emparerait du Seireitei. On veut savoir là. Alors là, vas-y, la hype là. La hype, Yoruichi là. Tu sais mettre la hype, toi. Ah là là, si t'étais dans notre monde, toi, je t'embaucherais en tant que commercial, toi. Bon. Son pouvoir est si dangereux que ça. Assez pour concourir dans la même catégorie que Kyoka Sugetsu d'Aizen, peut-être. Quoi, attendez, à ce point-là, vous plaisantez, Madame Yoruichi. Lorsque Azashiro a été déclaré en fuite, nous avons bien sûr tenté de déterminer sa position grâce à ses techniques d'immobilisation.
Mais malgré nos efforts répétés, personne n'a pu le localiser plus précisément qu'au sein du Seireitei. Une capacité d'annihilation du Kido ou de la force spirituelle alors? C'est du moins aussi problématique, c'est vrai, aucune technique de mobilisation n'a semblé marcher contre lui, même la 99e, le saut ultime, la restriction tournoyante. Mais la véritable nature de son pouvoir n'est pas une annulation, c'est une fusion. Une fusion. S'il vous a semblé qu'il parlait avec quelque chose qui n'était pas là, c'est parce que son monde intérieur est fusionné avec le monde réel qui nous entoure. Ce n'était pas un cas d'incarnation comme ce que permet le corps céleste de transfert. Les autres ne voient pas Urozakuro. Il semble ne pas porter de sabre, c'est parce que celui-ci est constamment en Bankai. What? Et le pouvoir de ce Bankai est, on ne pourrait être, fusionné avec tout ce qui entoure et le contrôler. Ah, la violence! Alors c'est très drôle, parce que justement je pensais à ça. Alors je pensais pas que ce serait ça le pouvoir, hein, clairement pas. Mais en gros il a un contrôle total sur le réel. Il a un contrôle total sur la notion même de réel. En résumé, Kenpachi Hasashiro a fusionné son corps avec l'espace qui l'entoure. L'air environnant, le sol que nous foulons, il a fait de tout cela une partie de lui-même. Et il peut en manipuler la substance jusqu'au niveau des particules spirituelles. Quelle est sa portée? Tu l'as déjà compris, je suppose. Mais attendez, vous voulez dire... C'est cela, il a déjà fusionné avec le Seireitei lui-même. Dans l'espace avec lequel il a fusionné, Kenpachi Hasashiro peut tout entendre et tout voir comme s'il était là en personne. Ce qui veut dire que les discussions que nous avons ici lui sont déjà connues. Je ne comprends pas, s'il possède un tel pouvoir, n'aurait-il pas pu s'évader n'importe quand? L'endroit de ces espaces n'est pas si simple. La possibilité d'une attaque extérieure a été envisagée et il est équipé de multiples couches de sceaux qui affaiblissent les impactos. Si on en croit Urozakuro, Hasashino était capable de voir et d'entendre ce qui se passait dans le Seireitei, mais pas de faire bouger les choses. Dans ce cas, comment est-il parvenu à s'échapper cette fois-ci? Suite à un assaut contre le bureau de développement technique mené par les Amérantes. Comment? Quand Kisuke Urahara était capitaine de la 2e division, il a fait déménager une partie des mécanismes de scellement vers le bureau de développement technique. Il estimait qu'il était plus sûr de les répartir entre différents sites plutôt que de tous les entreposer au même endroit, et là, cette fois-ci, cette décision s'est retournée contre nous. Il ne semble pas y avoir eu d'autres évasions, mais les commandos secrets vont procéder à un nouvel examen complet de l'endroit sans espace. Ah bordel, c'était le rôle de la rancard! C'était de faire le pont grâce aux machines qu'il y avait au centre de bureau de développement technique pour faire sortir... Aïe. Mais dans quel but? Enfin, dans quel but... la rancard 6... la rancard 7... voulait faire ça... Azelaporo. Dans quel but Azelaporo voulait libérer ce Shinigami qui veut la mort des arancards? Enfin, qui veut la mort des holos. Il a libéré un ennemi, là, clairement. C'est quoi, ce merdier? Attends, il n'est pas possible qu'Hasashiro, ayant récupéré ses pouvoirs, libère Aizen et d'autres prisonniers.
sans but, quel qu'il soit, n'est sans doute ni le chaos ni la destruction. Non, il ne ferait pas une chose pareille. Ce n'est pas, n'est-ce pas, Kenpachi Asahiro? Putain, son pouvoir, c'est carrément de fusionner avec le réel, quoi, en gros. Enfin, le réel, du moins le réel spirituel, du coup. Est-ce qu'il en est capable, par exemple, dans le monde des humains? Mais donc, c'est un Bankai permanent. Tu m'étonnes qu'il soit puissant. Déjà, rien que Ichigo, c'est un Shikai permanent. Et il est déjà surpuissant. Alors, si lui, il est en Bankai permanent, c'est juste ahurissant, en fait. Et il a un contrôle total sur le réel, mais dans les mondes, enfin, au moins dans les mondes spirituels, quoi. Dans le monde des humains, c'est pas sûr. À voir. Dois-je te remercier de t'être chargé des explications à ma place? Tu as dû touper de te présenter ici, Soya Asahiro, commandant en chef, cela faisait bien longtemps. Afin d'éviter toute action inutile, permettez-moi de vous dire que ce que vous voyez là n'est qu'une petite partie de moi-même. La réduire en cendres ne servirait à rien, alors je vous en prie, ne l'attaquez pas. Que tu t'évades, toi qui t'étais de toi-même rendu en prison, quel est ton but? Je t'écoute. Vous demandez son mobile à un criminel. Vous vous êtes bien adouci, commandant en chef. Jadis, vous auriez immédiatement tenté de me mettre au pas sans me donner le loisir de ces questions et réponses. Où veux-tu en venir, gamin? Lorsque vous avez ordonné l'exécution de Ruka Kuchiki, vous avez fait fi de vos sentiments personnels. Vous travaillez en tant que rouage essentiel de la Soul Society. Tout pour la Soul Society, prêt à endosser le mauvais rôle. Vous avez donné des ordres. Vous avez donné les ordres les plus brutaux. Ainsi, je vous respecte. Si Ichigo Kurosaki vous a changé, j'estime que c'est un peu dommage. Seulement, dans votre refus déterminé de soigner le bras que vous avez perdu, je retrouve votre fierté d'antan. Même si selon moi c'est justement cet orgueil qui est votre caractéristique la plus vaine. J'en conclus que tu n'as pas l'intention de répondre à ma question. Mais mon but n'a jamais varié, j'ai simplement poursuivi mes salutations. Au lieu de perdre du temps en vaines explications, pardon. Je vous dis ceci, tel que vous le voyez là, je n'ai pas la moindre intention de causer du tort à la Soul Society. J'imagine qu'on va te croire. Peu importe ce que vous me croyez ou non, mais personnellement, je tiens à éviter tout conflit inutile. Je le répète, je n'ai aucune intention de causer du tort au Seireitei actuellement. Je n'ai qu'un but. Effectuer ma mission de Shinigami, c'est aussi simple que cela. Et ma première étape vers l'annihilation des holos sera de m'occuper de cet arancard qui porte un masque de squelette sur la moitié du visage. C'est tout. Personne ne va accepter une telle réponse, voyons. Tu ne t'es pas évadé pour venir nous aider dans notre travail, pas vrai? J'avoue que si cette femme au masque de squelette n'avait pas été là, je serais sans doute resté sagement en cellule. Je ne prétends pas être au courant de quoi que ce soit, mais que comptes-tu faire en utilisant le pouvoir de cette femme? Je ne tiens pas à perdre de temps en paroles inutiles, mais afin d'éviter trop de doutes improductifs de votre part, je vous dirai ce qui doit être dit. Il est vrai que mon pouvoir a été libéré suite à cet assaut d'âme errante, mais je ne suis pas de mèche avec elle, je suis totalement étranger à ces événements. Si j'absorbe le pouvoir de cette femme, la Soul Society comme le monde des humains en bénéficieront de façon considérable. Si vous le pouvez, j'aimerais que vous m'y aidiez. De quel bénéfice? Et quel est ce bénéfice dont tu parles? L'éradication des holos et le salut des âmes.
n'y a aucun contrôle. C'est le problème. C'est qu'il pourrait très bien utiliser son pouvoir pour. Et donc, le pouvoir de la rancœur, c'est vrai que s'il arrive à tisser des fils à travers le réel, parce que c'est visiblement ce que fait l'autre. Hein. En fait, tout ça, c'est des pouvoirs qui ont attrait directement au réel. C'est juste dingue, quoi. Là, pour le coup. Aizen qui disait que Orihime a des pouvoirs qui rivalisent, enfin qui marchent sur les plates-bandes de Dieu, là on est à notre niveau, là, on parle carrément de contrôle du réel. Là. Asashiro a le pouvoir de fusionner avec le réel et le modifier, et la Rancar, dont j'ai oublié le nom, hein, je suis désolé, on va l'appeler la Rancar araignée pour faire simple, a le pouvoir de tisser des liens entre plusieurs espaces du réel et entre les dimensions, c'est-à-dire aussi bien lier un espace entre le Seireitei et le Wekomundo et le monde des humains. Donc si Asashiro obtient ce pouvoir, ça veut dire qu'il peut étendre le pouvoir de son Bankai aux trois mondes. Le seul problème, c'est comment tu le contrôles. S'il pète un plomb, s'il tourne la carte, comment tu l'arrêtes? C'est ça en fait, c'est la supervision, c'est que oui, ça peut très bien marcher, mais à condition qu'il ne tourne pas la carte, quoi, à condition qu'il ne trahisse pas, ce qui est un risque beaucoup trop gros. Sachant que de base, c'est déjà un criminel de base. C'est rude là. Il s'agit de purifier le Eco Mundo et en même temps de toucher légèrement le cœur des habitants du monde des humains. C'est tout. La rancœur, le désir, la cupidité, l'instinct, toutes ces obsessions rongent les chaînes des plus et sont la cause de la naissance des holos. Il suffit de les éliminer. Les études du monde des humains nous apprennent. Il y a là-bas une discipline médicale nommée psychochirurgie. Ce que je vais faire, il ressemble un peu à améliorer une partie du cerveau et de l'âme des habitants du monde des humains et ainsi éliminer les éléments qui les conduisent à devenir des holos. Oh la vache! Ah, il compte complètement. Ah, d'accord. Ah non, 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 c'est encore pire que ça. Ah, le mec, il a l'intention de détruire le libre arbitre. Le mec a l'intention d'imposer un code moral, mais directement dans l'esprit des gens en fait. Ce mec se prend vraiment pour Dieu, quoi. Non, non, il est beaucoup trop dangereux. Là, en plus de... Donc, non, il se prend pour Dieu. Il veut imposer un code moral. Il a les moyens en plus de le faire. Il est beaucoup trop dangereux. Non, Aizen, c'est de la pisse de chat à côté de ce mec. Une fois ceci accompli, plus personne ne devra même aller en enfer. Il faudra vérifier en détail si cela aura une influence sur l'état du monde, mais bref. Changer la structure même de l'humanité, ah oui. N'importe quoi, tu te rends compte de ce que tu dis. C'est complètement inéthique, hein. C'est, niveau éthique, c'est inacceptable. On est bien d'accord. Rien qu'à Tokyo, il y a plus de 10 millions de personnes. Si tu veux transformer 100 personnes par jour, il te faudra 10 000 jours. Si j'utilise le pouvoir de cette femme holo, je peux remodeler les 10 millions d'âmes en un jour. Même ainsi, il me faudra sans doute un an pour accomplir ma tâche, mais comparé aux millions d'années d'histoire de la Soul Society, ce n'est qu'un battement de paupières. Le monde des humains et la Soul Society sont les deux faces d'une même pièce. Sur la voie que tu veux emprunter, il n'y a pas une once de respect pour le monde des humains. En plus, ça bafoue complètement un des principes des Shinigami. Alors, c'est un principe un peu dogmatique, hein, mais qui est que... En dehors de aider les âmes à passer et l'élimination des holos, les Shinigami ne doivent pas toucher aux humains vivants. Les Shinigami ne doivent pas intervenir dans le monde des humains
vivant. C'est un principe de base, bon malheureusement qui a ses exceptions étant donné que certains humains ont des pouvoirs spirituels, donc peuvent voir les Shinigami, donc malgré eux les Shinigami interviennent dans leur vie, et donc sur le monde, mais hormis ce cas d'exception là, ce cadre d'exception là, les Shinigami ont interdiction formelle d'intervenir dans le monde des humains vivants. Je vous rappelle que dès dans les premiers épisodes, on apprend que un Shinigami qui touche un humain vivant est passible de la peine de mort. Je vous rappelle que ce principe est à ce niveau-là. Et là, ce mec-là, il dit rien à foutre, je veux apposer un code moral à l'humanité, en rentrant directement dans leur tête. Banco. Oh là 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 là, mais c'est incroyable. C'est juste incroyable. Et ces actes ne respectent en rien la justice établie par nos prédécesseurs de la Soul Society. Ce respect n'est qu'un poids superflu et rien de plus, Monsieur Kirin. Voilà. Les Shinigami doivent seulement être des rouages qui tournent au nom du monde, moi y compris, bien sûr. Oh là 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 là. Oh, ça retourne la tête. Je sais pas si vous avez bien compris les enjeux là dont il parle. C'est incroyable. Alors avoir une idée d'écrire ça, Tikubo est un génie d'avoir pensé à écrire un truc dans le genre. Parce que ça pose vraiment des questions sur le fondement même de ce qu'est le réel, de la sociologie humaine, en fait il y a plein de questions là qui sont posées, il y a plein de sujets fondamentaux qui sont impliqués en fait dans l'histoire là. C'est juste incroyable en fait. Oh la vache. Ah bah là je suis très curieux de voir la suite, franchement. Mais c'est la violence ça. La Karakura. Voilà, Roka, c'était ça le. C'est ça la. Pourquoi suis-je en vie? N'imagine pas que tu as une raison d'être. Si j'estime que tu n'es plus nécessaire, tu n'es rien de plus que ces cailloux à terre. Dans le pays, on les appelle Roka. C'est très bien. En fait, Roka, voilà ton nom. Et ça te suffira amplement. Le pouvoir que je t'ai donné est le partage de la force spirituelle et de l'information grâce à des fils de négation capables de te relier à toutes sortes de substances. Mais vois plutôt, j'ai enfin réussi à intégrer le cycle même de la vie et de la mort à mon être. Ton pouvoir n'était rien de plus qu'un substitut. Si le plan Gabriel échouait, désormais, je n'ai plus de raison de poursuivre mes expériences concernant tes aptitudes. Et pourtant, Maître Sayelaparo Aporo ne m'a pas éliminé. Pourquoi? Personne ne m'a jamais dit pourquoi un outil chargé de tâches triviales aurait un cœur. その程度。その程度。紅姫。突っ込むな。
危なかったっすね。Tu me gonfles, je vais t'écraser, espèce de déchet. Quelqu'un en position d'Adjuchas, incapable d'avoir ne serait-ce qu'une once de fierté et pitoyable. Que tu es stupide, tu n'es pas satisfaite d'être utile en tant qu'outil. Chérie, ton impuissance, accepte-la. C'est parce que nous luttons que la douleur naît. Oh mais pardon, toi tu as la tête de quelqu'un de facile à martyriser. Que l'espoir n'a aucun sens. D'ailleurs, cesse de chercher une telle chose chez moi. Même si tu n'as aucune raison de vivre, n'oublie jamais que tu peux te battre. Tu n'es vraiment qu'une marionnette, tu me gâches le goût de l'alcool, disparaît. Oh là là, arrête de faire cette mine de chien battu, t'es joli comme tout, alors bon, tu devrais sourire un peu plus. Sourire, et si j'essayais au cas où il y aurait là quelque sens? C'était elle! Ah purée, mais on la voit une fraction de seconde dans le... dans l'animé. C'est elle qui recoue le bras de Yami. Ah la vache! Ah putain! Ah d'accord! Elle est vraiment... Enfin voilà, c'est un... Mais on la voit une fraction de seconde pour ce qui s'apparente être limite une blague. Elle le recoue, elle lui demande si il a retrouvé toute la mobilité de son bras et il lui explose la tête. Mais elle survit quand même. Et oh là là, mais non, mais c'est pas possible. D'accord, donc c'est elle. Comment vous sentez-vous? Sentez-vous la différence par rapport à avant? C'est ça, c'est la réplique. Non. Ça ne va pas, normalement, je l'aurais coupé en deux. C'est ça! Aïe 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 aïe. Alors ça dure vraiment mais 5 secondes dans le manga. Et donc c'est ce personnage-là qui revient pour cette... sur sa foyer. Comme quoi vraiment chaque personnage, mais même chaque personnage secondaire, peut avoir une écriture de dingue derrière, quoi. C'est juste hallucinant, Bleach, pour ça. C'est pour ça que je dis que Bleach est un des mangas les mieux écrits qui existent. Hein. C'est parce que le moindre personnage, même secondaire, peut avoir un background de taré. Et philosophiquement très très profond. En fait, on peut quasiment faire un... Comment ça s'appelle? Comme par exemple Torchwood avec Doctor Who. Un Turnout, non, un spin-off, c'est ça, spin-off. On peut faire en fait un spin-off quasiment de chaque personnage secondaire de la série. À ce niveau-là, c'est on peut faire ça. C'est, enfin, les possibilités d'écriture sont quasiment infinies, en fait. Enfin, quasiment autant qu'il y a des personnages secondaires, mais un personnage secondaire, ça peut toujours s'écrire. À Karakura aujourd'hui,
Tu entends, abruti. Maître Sayel Aporo. Si je ne me réapproprie pas mon corps essentiel, il est difficile de parler de résurrection. Je pourrais entrer dans un corps factice, mais être mal uni avec un corps inadapté à l'âme ne rimerait à rien. Alors quoi, tu ne fêtes pas la résurrection de ton maître? Après être fêté par un outil, ce n'est ni sain ni réjouissant. Elle a vraiment été rabaissée, mais plus bas que terre, quoi. Alors qu'elle a un pouvoir qui est juste incroyable. Spirit of the Always with You. C'est pour ça qu'à chaque fois je dis Always with You, c'est parce que c'est la phrase de Don Kanonji. C'est ça la phrase originale, parce que la série s'appelle Spirit Are Forever With You, c'était déjà plus dur à dire. Et ouais, et la phrase de Don Kanonji, c'est Spirit Are Always With You. Ce qui est un peu plus fluide à dire en anglais. Salut à vous, Beautiful Lady, ne craignez rien, je suis de votre côté. Appelez-moi Don Kanonji, tout simplement, et si vous me disiez d'où vient cette terre si triste. Bah elle se fait bully, c'est triste. Hein. En plus, je sais pas si vous... On parle beaucoup de harcèlement scolaire en plus en ce moment à la télé, je sais pas ce qui se passe. C'est vraiment un sujet d'actualité. Là, comme quoi, chez les Arrancars, ça existe aussi. Enfin, de harcèlement, quoi. Le harcèlement. Prendre un bouc émissaire et le rabattre plus bactère, voilà. Soul Society au bureau de développement technique. Ah, mais comment avez-vous attrapé ce truc? Qu'est-ce que c'est que ce gamin? Attendait, mais c'est la rencarte de l'autre fois. C'est vrai qu'on a reçu un message disant attraper en jouant à chat perché. Allez, on analyse, on va voir ce qu'il a dans le ventre. Non, attends l'autorisation du patron. De quoi? C'est quoi? Tu disais pas quand vous m'avez attrapé. Tu disais pas ça quand vous m'avez attrapé, moi. Lui et toi, vous n'avez ni la même importance, ni le même niveau d'urgence, ça suffit. Pourquoi ça n'arrive qu'à moi, ces trucs-là? D'ailleurs, qu'est-ce qu'il fout là, lui, conne? Qu'est-ce qu'il fout au bureau de développement technique? Mais au fait, où est le patron? Il est sorti avec le vice-capitaine pour de petites affaires, disait-il. Il a reçu un message pour une réunion du capitaine, mais nous, on ne peut pas le contacter. Parce que là où le patron est allé, il n'y a pas encore de moyens de communication spirituelle. Quelque part dans le Gargantua. Pas de traces de manipulation des particules spirituelles. On ne dirait pas non plus qu'on a utilisé du Kido ou quelque chose dans ce genre. Mayuri Kurosuchi, Moody, qu'as-tu fait à mon corps? Que c'est impoli, ça ne se fait pas de découper comme ça un sujet d'expérience qui ne t'appartient pas.
Je pensais bien que tu ne tarderais pas à arriver. Cela dit, je m'étonne qu'un simple Shinigami ait su analyser le Gargantin. Aussi, soyons honnêtes, je trouve ça admirable. Quand on me félicite pour une chose aussi triviale, je ne peux que penser qu'on se fiche de moi. Bon, sinon, qui es-tu? C'est une plaisanterie. Mais non, je ne cerne pas tes données, bien sûr. Je peux échafauder des hypothèses, mais si possible, je préférerais me tromper. Certainement, c'est certain pour toi, le fait que j'existe doit être difficile à accepter. Moi, ça y est, la peau aux grandes, qu'un adversaire auquel tu es certain d'avoir donné la mort apparaisse ainsi devant toi, c'est incroyable, n'est-ce pas? Que c'est regrettable, j'aurais vraiment préféré me tromper, et donc qui es-tu? Je ne te croyais pas homme à plaisanter de la sorte. Où est-ce de l'ironie? Tu insinues qu'une fois un spécimen analysé, tu ne gardes pas son nom en mémoire? S'entend. Entre le moment où j'ai donné la drogue de surdéveloppement des sens à Sayelaporo et celui où ma lame a percé ton cœur, pour lui, il s'est écoulé au moins 100 ans. As-tu fait l'expérience de ces 100 ans? Une partie de tes particules spirituelles s'étant détachée de l'âme, j'ai confirmé qu'elles étaient passées par la porte de l'enfer. Si tu es bien Sayelaporo, je serais très intéressé de savoir comment tu as échappé au Kushanadas et coupé ta chaîne de pêcheurs. Comment? Tu ne peux pas répondre, n'est-ce pas? Voilà, c'est la preuve que ma théorie était correcte. Depuis quand crois-tu que tu es Sayelaporo Grant? N'essaye pas de t'enfuir, c'est inutile. Avant d'entrer dans cet espace, j'ai apposé un sceau sur une partie des fils de Negasyon. Autant dire que je les ai amputés de toi. Note que si tu veux, je peux filer à pied. Cela ne me dérange pas. Pour être franc, j'aurais vraiment préféré que ma théorie soit incorrecte. Là, ça, c'est tellement évident, c'est une conclusion qui n'attise pas le moindre intérêt pour moi. Qu'est-ce que tu racontes? Bon, commençons par... Excusez-moi. Commençons par la conclusion. Tu n'es pas du tout Sayelaporo Grant, tu es un simple amas de particules spirituelles qui copie de façon incomplète ses souvenirs et ses connaissances. Ah non, mais il va pas aborder le paradoxe des clones. Tu n'es pas Sayelaporo Grant, pour utiliser un terme du monde des humains, tu n'es qu'un bug constitué de particules spirituelles qui flottent dans l'espace. Cesse tes mensonges. Comme si je n'avais rien de mieux à faire, ce qui m'intéresse, ce n'est pas toi, c'est cette femme au masque de squelette. La femme au masque Roca. Ah, alors elle se nomme Roca. Alors c'est bizarre, là ils en parlent avec un K, mais dans son nom c'était marqué avec un C. Très bien, je le ferai noter sur la table d'opération à laquelle je l'attacherai. Arrête tes inepties, tu peux insinuer que je suis inférieur à ce. Tu veux insinuer que je suis inférieur à ce minable outil, car elle n'est qu'un outil que j'ai façonné et rien de plus. Ma parole, l'original, avait tout de même un cerveau plus acceptable. Par contre, tu es aussi pénible que lui. Là, la reproduction est parfaite. Inférieur ou pas, où veux-tu en venir en te comparant à un outil? Je souligne simplement qu'un outil utile à des fins d'expérience est plus intéressant qu'un pseudo-scientifique incompétent.
Ouf. Ouf. Oh. Ou la violence. Ou la violence. C'est tout. Je n'ai plus aucun intérêt pour toi. Allez, file et va mourir quelque part. Tout de même, il n'a pas réussi à se dupliquer mieux que ça, ce type. Les techniques de ce Gagerosa qui était chez nous étaient largement... C'est fini de bailler au corneille, imbécile. Vas-tu mesurer les restes de pression spirituelle, oui ou non? Veuillez m'excuser, Maître Mayuri. Il s'est débarrassé de son corps, amusant. Alors, imitation, tu vois quand tu veux. Ok, bon, ils ont pas vraiment abordé le paradoxe des clones. Ok, parce que... Alors, le paradoxe des clones, pour expliquer simplement, c'est simple. Imaginez qu'on fasse une copie de vous, mais qu'il y ait une erreur de copie. Est-ce que cette copie de vous est vous? C'est comme... En fait, c'est le même paradoxe que le tas de sable. Vous prenez un tas de sable, vous enlevez un grain, vous avez toujours un tas de sable. À partir de combien de grains enlevés, on ne peut plus parler de tas. Voilà, c'est à peu près le même paradoxe. Parce que un grain de sable, c'est pas un tas. Une dizaine de grains de sable, c'est pas un tas. C'est à partir de combien de grains de sable on peut parler de tas de sable. Voilà. C'est exactement la même chose, mais avec le principe de copier l'esprit humain. Ou copier l'esprit humain, ou copier... voilà. Si votre... pour parler autre chose que des humains. Imaginez votre animal de compagnie, au hasard votre chat, décède et parce que vous tenez à lui et que vous voulez encore vivre avec lui, enfin que vous voulez qu'il vive avec vous encore quelques années, vous en fassiez un clone. À partir de et que ce clone est incomplet. Est-ce que enfin est incomplet? Est-ce qu'il y a des erreurs de copie? Est-ce que ce clone est votre chat ou pas? C'est exactement la même chose avec Sayel Aporo. Est-ce que cette copie, ce clone, est Sayel Aporo? Voilà, c'était le... C'est le paradoxe des clones. On peut débattre philosophiquement là-dessus pendant des heures. On va pas faire ça. Sans compter qu'en plus, le sujet, voilà, il est... J'en parle très très succinctement. Hein, vous pouvez aller vous documenter là-dessus, c'est très très compliqué philosophiquement. En plus de l'aspect éthique, bien évidemment, ça y a toujours. Quelque part de Rokongai, excusez-moi. Il n'est pas là. Je me demande où il est passé. Derrière ce mur, peut-être, il se serait fait attraper par un Shinigami. Alors, il faut l'aider, je pense. Trop fin, on rentre. Ah non, il faut aider notre camarade. Dites, si ça continue, on va perdre. Et le médium asthmatique va gagner. Si on perd, que se passera-t-il? Il va nous médire, nous rendre asthmatique. Je veux ni être médit, ni être asthmatique. Médit asthmatique. Je sais pas de qui il parle. Ah bah il parle de Dankenuji, je crois. Ah,
Allez, et on finit aujourd'hui. Hein. On finit aujourd'hui. Je. Ouais, mais pour le timelapse, ça. Il n'y a peut-être pas d'histoire là sur cette quête là. Bon, moi on avance. Oh, c'est ça y est là pour gros. Mais c'est vrai ça alors, il est vivant. Ah, je vois la potion spirituelle qui était dans la dame, c'était ça y est là pour gros. Pourquoi est-il vivant? J'ai faim. Tiens, tiens, ça faisait longtemps. Vous allez bien? Dites, voudriez-vous jouer à un jeu amusant avec moi? La moitié d'entre vous suffira. Un jeu amusant, oui, c'est quoi? On fait quoi? Une chasse au trésor et une partie de Jacadie. Ça se joue comment? Voyons, c'est un peu différent du monde des humains. Tout d'abord, je cherche un trésor. Avec ce trésor, on fabrique un roi. Un peu comme si c'était un puzzle. Quand nous aurons fini, nous jouerons à chercher Roca Paramilla. Et quand nous l'aurons trouvé, nous irons tous faire un tour en enfer pour un petit pique-nique. En utilisant les fils de Roca. Oh purée, elle dit qu'on peut utiliser Roca pour aller et venir en enfer. Ouais non, ça passera pas ça. Ça peut pas passer, l'enfer c'est... L'enfer a sa propre conscience. Ça sera pas faire, enfin c'est la moindre intrusion. Et les couches anadas réagissent quoi, donc... Bon, il reste 4 missions. On va essayer de les faire là. Hein. Regardez la 11e division. Alors quoi, tu réfléchis à un moyen de trancher la main nue trancher à main nue le type qui a manqué de respect au capitaine. Avec un coup, quelque chose comme ça, oui. Je ne vais pas aller me mettre au lit en pleurant. C'est trop laid. C'est vrai que se faire faucher son impacto, c'est humiliant. Tiens, je me souviens du jour où cet impasse du Chigo m'avait soigné avec de longs gants à mon insu. Bon sang, rien que d'y penser, ça me fiche en rogne. Mais quand même, pourquoi il a volé Fujikujaku, ce charlot? Après s'être débrouillé pour nous séparer au final, il n'est même pas venu me faire face. Ouais, vraiment, pas de veine aujourd'hui. Dis donc, si c'est un jour de déveine pour Ikaku Madarame, l'homme le plus chanceux de la société, j'ose à peine imaginer ce que subissent tous les autres. Ouais, on n'a toujours pas cette explication hein, sur...
Salut, alors il paraît que tu t'es battu contre le clown qui s'est échappé de l'endroit sans espace, t'as perdu? On n'est pas allé jusque là, il n'a même pas daigné se battre contre moi. Si j'avais une chose à dire à propos de son pouvoir, c'est... Et là, attends, je ne sais pas ce que tu as en tête, mais tu fais la tête de quelqu'un qui s'échappe, qui s'apprête à monter à l'échafaud. On met notre vie en jeu, mais juste au combat, on est d'accord. Ne me dis pas que tu avais l'intention de révéler le point faible de l'adversaire, ou un truc débile du genre. Si on le sait à l'avance, le combat n'a plus rien de drôle, imbécile. Moi, il n'y a qu'une seule chose que je veux savoir. Il est fort? Oui. Très bien, alors je me réjouis des ordres du vieux. Les ordres du commandant en chef. Il m'a ordonné d'aller à Karakura. Karakura. Je ne pige pas, mais je suis censé chercher une arancard qui porte un masque de squelette. À ce qu'il dit, si je la trouve, je pourrais me battre à mort avec ce type, Asashiro. En plein milieu de Korakora, oui bien sûr. De Kenpachi à Karakura, en plein milieu des humains, en train de se battre. Oui bien sûr. C'est le bon plan ça! Juste deux entités extrêmement puissantes, ne pas influencer le monde des humains, tout ça, ouais, voilà quoi. Le bon plan. Je lui ai dit que je m'en chargeais seul, mais il a dit non. Qu'est-ce qu'il a en tête, le vieux? Que dites-vous, capitaine? Seul vous n'arriverez jamais à débusquer une arancard à la pression spirituelle limitée, non? De toute façon, vous aurez beau nous ordonner de ne pas y aller, on ira quand même. Je vous préviens, si vous intervenez quand je me bats, je vous coupe en deux. ずっこいな。その程度。ベニヒメ。ずっこいな。 危なかったっすね。私が出ます。紅姫。 ずっこいな。その程度。その程度。ずっこいな。
Bon, j'aurai pas le temps pour le timelapse. Ce que je propose, c'est qu'on mette le timelapse et des tirages. On fera un épisode un peu hors série de tout. On mettra le timelapse de Sci-Fi et on fera du tirage. Mais je ne le tournerai pas aujourd'hui. Je vais attendre de cumuler un petit peu des orbes, des tickets. Pour faire un gros épisode de tirage. Voilà, vraiment le prochain épisode, à mon avis, ce sera ça. Ce sera juste le champion de sa foi et puis. Et du tirage. Ou alors je mettrai le timelapse de Sci-Fi, donc chapitre 2, s'il y a un chapitre 3. Dans ce cas, je le mettrai avant de commencer le chapitre 3, comme ça vous saurez par quoi ça sera. On verra. En tout cas, cet épisode va durer plus d'une heure, je suis désolé. Alors, qu'est-ce que tu fais ici, Renji? Et toi, t'es sous Aemon, pourquoi es-tu là? J'ai entendu dire qu'un certain capitaine partait sur le sentier de la guerre avec ses hommes. C'est ici qu'on a le meilleur point de vue, alors je suis venu voir la division Zaraki en marche. Ça fait longtemps qu'on n'a pas vu une telle troupe. Toi aussi, tu voulais être parmi eux, n'est-ce pas? Je suis de la 6ème division maintenant, et toi, tu as le sang de la division Zaraki dans tes veines. Il coule, il brûle de les rejoindre, non? Ça me ferait plaisir de dire oui, mais tu vois, la division n'a pas d'importance. Pas un homme, un vrai, ne peut regarder un tel spectacle sans que cela lui fasse le sang. Quand même, Ichigo, comment a-t-il fait pour battre le capitaine Zaraki sans Bankai? Il y aura un chapitre 3. Et j'ai pas fait attention que c'était le dernier. Il y aura un chapitre 3, donc je vais tourner le timelapse. Alors pas aujourd'hui, comme je vous l'ai dit, mais je le tournerai. Et je le mettrai, ce timelapse, au début de du chapitre 3. De sa foie. En attendant, j'ai très hâte de voir la suite parce que franchement, il y a des enjeux qui sont incroyables. Le méchant est juste incroyablement bien écrit. Il est un peu répétitif, mais et franchement, son pouvoir est juste incroyable. Ses ambitions sont incroyables, on ne sait pas si on peut s'y fier ou pas. On n'a pas idée du crime qu'il a commis pour être enfermé à la base. Mais voilà, sur ce, je vous dis à bientôt certainement pour une histoire secondaire. Et en espérant que le chapitre 3 de Sci-Fi sorte très vite. Voilà, je vous dis à bientôt pour l'épisode 190.